Bonjour, ben voilà, c'est parti pour une petite réparation de chaussures qui ont déjà souffert sur la route, et en particulier voilà, des talons à refaire, vous voyez ce qui se passe ici également. Donc ce sont des chaussures d'une marcheuse, qu'il va falloir donc retravailler là-dessus parce que évidemment il y a tout, absolument tout à refaire. Elle n'a plus de chaussures, elle a été blessée, donc évidemment on a laissé les chaussures dans le placard. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dès l'instant qu'on reprend l'entraînement, eh bien, il va falloir se rechausser. Donc ici, tout simplement, bon, il faut absolument que j'enlève la vieille colle, de façon à ce que la nouvelle colle, enlever la poussière avec un souffleur, qui est absolument indispensable, sinon ben, la colle ne fonctionne pas. Ensuite, donc, je vais chercher ce genre de produit qui est donc du crêpe, que je vais donc adapter sur l'ensemble du talon. Le crêpe, pourquoi? Tout simplement parce que c'est un produit qui est très souple et qui amortit tous les chocs au niveau du contact du talon. J'ai déjà essayé d'autres matières, mais ça a tapé trop fort sur la route. Donc c'est ce qui convient déjà le mieux. Ce sont des chaussures qui ont été quand même travaillées au niveau du talon parce que elles faisaient un petit peu de pronation. Donc j'ai arrangé le talon de façon à l'arrondir suffisamment, de façon à avoir une attaque beaucoup plus conforme donc au talon. Voilà, donc ici également j'ai d'autres chaussures qui sont dans un état pitoyable, et on use les chaussures jusqu'à la corde, ce qui fait évidemment penser que les marcheuses sont obligées de se servir de leurs chaussures à plusieurs reprises. C'est-à-dire ce genre de chaussures qui sont en très bon état au-dessus, en dessous ils ont déjà souffert, et donc on est obligé de les ressemeler une, deux, trois, voire quatre fois quelquefois, de façon à arriver à se servir des chaussures qui ont quand même un coût relativement cher. Ça, si vous changez de chaussures à chaque fois qu'elles sont usées, il vaut mieux avoir un contrat, hein. Voilà, donc eh bien ça va me permettre voilà, de la colle, évidemment, voilà, la colle Patex, bon, pour pas faire de publicité, mais bon, disons, c'est quand même une colle qui est extrêmement bonne. On colle les deux parties, et à partir de ce moment-là, on arrive à faire un bon travail. Donc, un peu plus tard, je vous montrerai la façon de travailler, justement, sur le talon, avec la découpe, avec tout ce qui se passe autour, au niveau de la préparation de ces chaussures.